Quels sont les moyens de communication à bord ? Pour communiquer avec votre famille et avec les autres gens du bateau. Alors bonjour les enfants, mon nom est François Mercier, je suis le technicien en électronique et informatique à bord du navire. Je suis en charge de tous les moyens de communication et de tous les systèmes informatiques et électroniques qu'il y a à bord du navire. Alors pour répondre à votre question, à bord du navire, on a plusieurs moyens de communication, plusieurs systèmes qui nous permettent de parler à nos familles. La plupart des moyens de communication, des systèmes sont par satellite. Donc on a l'Internet qui fonctionne par satellite. Donc à partir d'Internet, on peut communiquer avec des systèmes de messagerie, texte ou envoyer un courriel à la maison. C'est pas assez rapide pour pouvoir faire du Skype vidéo, mais au moins on peut écrire des petits messages puis lire les messages. Une autre chose pratique aussi, on a plusieurs lignes téléphoniques par satellite, ce qui nous permet à partir de chacune de nos cabines de prendre notre téléphone, de composer un code et ensuite appeler à la maison tant qu'on veut et à toute heure, à tout moment de la journée. L'autre question était comment on fait pour parler ensemble à l'intérieur du bateau, comment on fait pour communiquer ensemble. Eh bien, c'est un peu comme dans une entreprise à terre. On a plein de postes informatiques. On a un système de courriel. On peut s'envoyer des courriels, s'envoyer des messages entre ordinateurs. On a aussi le système téléphonique, comme une petite ville. On appelle un poste, c'est l'autre personne qui répond. On peut aussi faire des messages qu'on appelle « all call », des messages de diffusion publique. On peut appeler une personne dans les haut-parleurs partout sur le navire, sur tous les étages, ce qui nous permet de rejoindre la personne très rapidement. Alors, j'espère que ça répond à votre question.